maintenant éplucher les tomates. Donc pour commencer, on vient retirer le pédoncule. On fait une petite incision sur le sommet de la tomate. On va les passer dans l'eau bouillante pendant une trentaine de secondes pour faire un choc thermique pour pouvoir venir décoller la peau. Et maintenant, on les plonge dans de l'eau bien froide pour bien sûr arrêter la cuisson si on a besoin de faire des tomates crues. Les tomates sont bien froides maintenant, donc on vient les éplucher très facilement. Ne jetez pas la peau est très intéressante. Vous pouvez l'ajouter quand vous faites vos rôtis de viande, des choses comme ça. Ça donne un petit peu de goût dans votre jus. On coupe les tomates en deux pour pouvoir ensuite venir épépiner. C'est pareil, ne jetez pas l'eau des tomates. Vous pouvez la filtrer, l'ajouter dans vos sauces vinaigrettes aussi, la mettre toujours dans vos jus de viande. On s'en sert aussi, bien sûr, par exemple, pour mouiller le taboulé. Ensuite, nous allons donc concasser les tomates. Laissez toujours votre couteau bien au contact de la planche et faites juste une petite balançoire, comme ceci, pour pousser la tomate dessous. Ce qui est très dangereux, c'est ça, c'est de lever le couteau. Alors là, vous glissez les doigts dessous et vous faites un petit tartare. Voilà, donc un oignon ciselé, une échalote ciselée, un peu d'ail haché. On va donc cuisiner notre tomate. Un petit filet d'huile d'olive, les oignons et échalotes ciselées, l'ail haché. Et donc là, dans un premier temps, on va juste faire ce qu'on appelle le suer, c'est-à-dire on fait sortir l'eau de végétation du légume, le seul but étant de lui donner un peu plus de puissance, on débarrasse la côté aqueux du légume. Allez, maintenant que les oignons, échalotes, ail ont bien sué, on va donc ajouter la tomate concassée, un petit peu de sel, du thym, du laurier, et on laisse cuire ça pendant à peu près une heure. Aujourd'hui, nous allons utiliser cette aubergine américaine, qui est une aubergine très douce, grosse, sans pépins, une aubergine de fin de saison, une aubergine qui peut aller donc comme ça jusqu'à octobre-novembre. L'avantage d'une aubergine très douce. Cette aubergine, donc, elle est lavée et ensuite bien épluchée. Nous allons donc maintenant couper les aubergines en petits dés. Et ensuite, nous allons les faire cuire avec un petit peu de sel et huile d'olive pendant 5 minutes au micro-ondes, entre 750 et 1000 watts. Voilà, donc je les mets dans un saladier. Ensuite, nous allons venir mettre dessus une pincée de sel et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Avec un film alimentaire. Ensuite, on mettra donc dans le micro-ondes. Allez, nous allons donc maintenant faire revenir dans de l'huile d'olive. Voilà, donc maintenant on ajoute la purée d'aubergine, bien mixée. On va venir mélanger les parfums, mais en même temps chercher à encore un peu dessécher l'aubergine. L'objectif de dessécher, c'est d'avoir une masse assez épaisse pour le montage. Donc là, on voit bien toute cette vapeur d'eau qui s'échappe, hein, l'eau de végétation de l'aubergine. Maintenant, à l'intérieur, nous allons ajouter deux fromages, du comté fraîchement râpé et du parmesan râpé. L'objectif, ça va être d'émulsionner avec la matière grasse du fromage pour venir, encore une fois, donner de la consistance et bien sûr, ajouter un parfum bien nourrissant. On continue maintenant avec le parmesan qui lui va apporter tout un petit peu de sel. C'est une pâte qui est quand même très sèche au départ et donc concentrée en sel. Un petit tour de moulin à poivre pour rehausser. Voilà, maintenant la recette du caviar d'aubergine ici est terminée. Nous allons le laisser refroidir. Une fois que la tomate est bien froide, on va venir la déposer sur le fond de notre tarte. Voilà, à peu près 1 cm d'épaisseur. Maintenant, nous allons venir déposer le caviar d'aubergine, ici sur 2 cm d'épaisseur.
Et donc en refroidissant, vous voyez bien que ça a pris de la consistance. C'est principalement ici le fromage qui, en refroidissant, durcit un peu. Et maintenant, on va venir déposer des petits points de crème sur l'ensemble de la tarte. On fait une petite décoration, donc avec des herbes du jardin, ici des petites pousses de basilic, de la ciboulette, un petit peu de feuilles de capucine, quelques fleurs comestibles.